Voilà, une petite suite à notre série sur le trésor des pas trop électriciens, on va dire trésor des ferrailleurs. Voilà, un petit récup de tout ce que les gens jettent dans les rues et ce que nous on a consommé depuis à peu près 2 ans. Donc toutes les canettes là, on a tout ça là. Donc là c'est une tranchée qu'il y a là, parce que je suis en train de faire une tranchée. Donc toute la tranchée elle est pleine là. Canette, 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 canette. Là on a des boîtes de conserve et des canettes. On en a un dedans, un vieux sac est troué, il y a la poubelle, plein de canettes. Un sac immense qui était dans le garage. Alors certes, c'est pas énorme l'argent que ça va nous récolter, mais c'est que pour l'instant, je vais peut-être le faire fondre en fait. Pour l'instant, je vais le ranger, puis après, je vais peut-être le faire fondre et le vendre en lingots, qui vaut très très cher en lingots. Donc là, on a les canettes, on a pas mal, hein. On a peut-être bien quelques kilos. Donc voilà, donc ça, c'est des choses que vous ramenez dans un container, certains jettent. Alors, quand ils jettent, ben moi, j'ai rien à faire, hein, c'est déjà plié. Donc là, on va trier entre ce qui est aluminium, d'un côté, ce qui m'en apporte, et l'acier, que je m'en fous. Mais ça, on va le revendre quand même. L'acier, je vais pas le faire fondre, hein. Faut pas se faire chier, ça va, c'est trop dur à fondre et ça sert à rien. Donc, on va commencer par trier. Et en même temps, je vous montre un petit aperçu de la prochaine vidéo. On le verra, là c'est pour faire mon poulailler, pour pas que les rats viennent. On a démonté des radiateurs, des luminaires. Donc tout ça c'est prêt, là on est à ferraille. Luminaire tout démonté, hop, ça c'est à finir, démonté. Et derrière j'ai encore des luminaires à démonter là, ça c'est des trucs à réparer. On a encore tout ça à démonter. Donc les ballasts que je revends. Le cuivre que je récupère pour vendre. Donc là-dessus, il y a ferraille, un petit peu de... Non, il n'y a pas d'alu sur celui-là. Donc que ferraille et ballast et cuivre. Plastique à déchetterie. On a de l'acier. On a de l'alu là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a tout ça quoi. Donc c'est parti, on n'a plus qu'à préparer tout ce qu'il y a ici. Donc une vieille télé à démonter que j'avais depuis 10 ans, je m'en sers plus, ça a rien à garder, elles sont mortes. Là-bas, ce qui est pas mal, c'est qu'on a pas mal d'alu dans les luminaires là. Donc voilà, on n'a plus qu'à tout préparer. Allez, on va trier. Et c'est déjà, hein, attendez, on a déjà ce qu'on a fait. Ça avant, ça valait 50-60 centimes le kilo. Déjà un, on arrive à 300 grammes, voire 225. Oui, ils sont déjà en 225. Non, c'est autre chose, il y a 200-300 grammes. Les radiateurs, ça je les vends tel quel, hein, je m'embête pas. Je pourrais faire fondre, mais il faut avoir un grand four à fusion. Moi je vais vendre que les petits trucs. Je fonde que les petits trucs, ça je pourrais le faire fondre à la limite. On verra. Et encore, se faire fondre ça, ça sert à rien. Je sais pas, j'ai regardé le prix ce soir, combien ça vaut les lingots, combien ça vaut ça, faire la différence, est-ce qu'il faut que je m'embête ou pas. Je pense que je vais faire que les petits. On a l'aluminium aussi, comme ça. Ah bon, ils appellent ça casserole. Ça, ça se vend mieux. Ça, ça se vend pas mal. Ça aussi. Alors ça, super bien. Profilé alu, ça se vend bien, ça. Ça, c'est que du profilé alu. On le voit bien, là. Il n'est pas aimantable. Voilà. Encore de l'alu. Ça, l'alu des luminaires. Là j'en ai plein là que j'ai fait hier. Donc ça c'est ce qu'on a fait sous 2-3 jours, ça cette partie là. Bon, peut-être l'après-midi, enfin moi après le travail quoi, en fin de journée, en 2-3 heures à peine. Ah bah tiens, il y a quand même quelques petites rênes. Et là c'est des. On récupère les ballasts qui sont ici. Un peu de cuivre, un peu de visserie. Et des condos là qu'on revend tel quel. Les condos ils sont là. Donc voilà, on a trié tout ça, on a des travaux à faire. C'est parti. Voilà, il y a une partie qui a été faite cet après-midi. Là, on a les circuits imprimés aussi là qui sont là. Donc là, circuit imprimé qu'on vend comme ça. Donc ça, c'est du carte mère pauvre, ils appellent ça. Ça, c'est des choses que je récupère pour faire le bricolage. Là, faire fondre. Papa, la petite, elle s'amuse. Papa, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est des alimentations pour les luminaires. Et la boîte que je m'étais achetée pour tout démonter.
Et là, on a encore des balles. Donc voilà, on est parti. On va commencer. L'objectif d'aujourd'hui, c'est finir toutes les canettes. Et ensuite, voir peut-être pour faire un peu de rangement. C'est parti! Coucou! Coucou! Tu veux aider? Oui! Faut pas trop sauter par contre. Maintenant, fais comment? Je fais voir. Maman, pense autant, Ina, tu peux tomber. Faut faire comment? Tu écrases un bout, c'est fait. Un bout, un bout. Oh merde, j'ai pas fait voir. Tu écrases. Là. Non, là, comme ça. Le premier bout, le deuxième bout. Voilà comment on écrase. Et là, quoi, en même pas 5 minutes, on a déjà fait un paquet. 5 minutes. La lue. Et collé. C'est une belle chaussure tendance. Ouais. Donc l'aluminium, la ferraille. Ouais, pas grand chose. Et après, ça, on va pouvoir le vider dans le paquet là. Ouais. Yes, je suis tout en couleur. Alors là, salut à tous, essayez tous de voter, partager, liker, surtout abonnez-vous, à bientôt.